je vous retrouve pour une morning routine sous forme de vlog. Mais en fait ce sera peut-être pas qu'une morning routine parce que je vais peut-être vous avoir avec moi toute la journée. Il est 8h45, écoutez c'est pas mal. Il est où mon trépied? Ah mais il est là, je suis con. En fait ils sont tous en bas, du coup je vais faire ma petite star, je vais arriver, je vais dire bonjour. Bah ils sont où? Ah c'est raté. Il est où papa? Je suis pas habituée à me lever aussitôt moi. Il y a plus de lait, c'est une blague. Oh, putain. Je vais faire mon café. Et pour ceux qui m'ont demandé la recette, du coup, je vais vous la donner. Vous avez besoin de café en poudre. Au départ, moi, je prenais du sucre blanc tout fin là. Mais au final, maintenant, je prends de la cassonade parce que je me suis rendu compte que tout le monde faisait avec ça. Donc. Je mélange. J'ai fini de déjeuner. Donc là déjà je vais commencer par ranger ma chambre. Il y a plein de vêtements partout en fait. J'ai retrouvé ça avec tous mes dessins que je faisais quand j'étais passionnée de fimo, d'activités manuelles et tout. Genre vraiment trop drôle. C'est archi laid en plus mais bon bref. Comme quoi quand je vous disais qu'avant je voulais être styliste mais que j'ai vite abandonné parce que je sais pas dessiner. Si du coup ça il faut que je range puisque tout ça c'est ma commande Zafoul et ma commande Shein. D'ailleurs vous m'avez grave demandé sur Insta de vous montrer ma commande. Je sais pas où est-ce que je vais les ranger étant donné que j'ai plus de place. Et ça c'est du linge que ma mère m'a ramené hier parce qu'elle me ramène du linge approximativement tous les jours. Bah du coup comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment déjà, je suis en partenariat à long terme avec Shein. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu first. En fait sur le site je trouvais ça archi beau, en vrai c'est très beau aussi mais c'est vrai que c'est pas mon style donc je sais pas à quelle occasion je pourrais porter ça. Une sorte de petit chemisier, il y a plein de petits volants comme ça, je m'attendais à un truc hyper transparent, très fin. C'est bah, une qualité vraiment chemise que tu peux acheter chez H&M, chez Zara. Ça c'est mon article préféré. Une jupe, alors à la base je l'avais commandée pour pouvoir aller au lycée, sauf en fait bah, elle est peut-être un petit peu trop courte. Dès que je l'ai vue sur le site, je me suis dit ok, il me la faut. Avec des petits volants comme ça, je la trouve vraiment trop belle. Ça aussi, quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit il me le faut. En vrai, je suis un peu mitigée parce que je sais pas trop à quelle occasion je pourrais porter ça. C'est un pantalon en simili cuir qui sent les pneus ou je sais pas trop quoi. Il est archi mime, je l'ai pris en taille M. Ensuite, j'ai commandé une robe. En gros, c'est une robe avec des sortes de petits ronds blancs comme ça. Donc elle est en col V. Petit bémol, c'est que le décolleté, il est un peu trop plongeant pour moi. Il faudrait que je demande à ma mère ou à ma mamie de me faire un point. Et pour terminer, j'ai commandé un truc que je voulais depuis grave longtemps. C'est un bandana, mais pour faire un bandeau. Il n'y a rien, il n'y a pas de coque, il n'y a rien. C'est vraiment juste du tissu. Tu portes ça comme ça en bandeau. Je vous déconseille très fortement si vous avez une forte poitrine. J'ai toujours un code promo pour vous. Il est tout le temps sous toutes mes vidéos. Je vous jure, lisez les barres d'infos des youtubeurs. Ça peut vous être très utile des fois. Bon, maman, maintenant, il ne me reste plus qu'à aller ranger tout ça dans mes armoires parce que j'en ai marre que ça traîne. Maintenant je me suis décidée à enfin passer l'aspirateur dans ma chambre. Le confinement me pousse à faire des choses que je ne fais jamais d'habitude. Ça c'est quand même une révolution, les aspirateurs sans fil, c'est génial. Je viens d'aller chercher Swiffer. Je sais même pas comment ça fonctionne. En fait, je comprends pas comment ça peut enlever les poussières s'il n'y a pas de produit dessus. À chaque fois que je fais les poussières, il y a re de la poussière deux jours après. Non, mais même ça, je sais pas m'en servir. Vraiment, les tâches ménagères, c'est vraiment ma pire phobie. Je déteste ça. Faut que j'aère ma chambre parce que ça sent le foc. Je rigole. Ou pas. Bon bah moi je vais changer mon accoutrement parce que j'en ai marre de passer mes journées en pyjama. Vous n'avez pas marre de voir toujours les mêmes endroits dans mes vlogs? What's up, I've been calling you, it seems like I can't get to you. Les chaussettes elles sont pas trop fraîches, genre c'est Patrick de Bob l'éponge. Là vous savez quoi, j'ai juste fait le ménage et pourtant j'ai jamais été aussi productive sur une matinée depuis le début du confinement. Incroyable. Par contre maintenant je sais pas du tout ce que je vais faire, il est quelle heure. Je pense que je vais commencer à monter cette vidéo. J'ai pas envie de me maquiller aujourd'hui mais je crois qu'il va falloir que je filme ma vidéo pour Zafoul.
Faudrait peut-être que je pense à changer la date. Oh merde, d'ailleurs on est 22, faut que j'envoie un message d'anniversaire. Ah non, mais en plus il y a deux anniversaires aujourd'hui. Ok. Joyeux anniversaire ma beauté. Profite à fond de ta journée, même si on est enfermé. On se revoit vite avec un petit cœur. C'est nul à chier comme message. Pas de story parce que je fais plus de story anniversaire. Maintenant, je peux faire mon montage. Il est midi 45, je viens juste de finir de monter ma vidéo. Écoutez, j'ai fait du bon taf pour l'instant. Les voisins qui papotent dehors, du coup j'entends toutes leurs discussions. Je vais aller faire un petit tour à la boîte aux lettres, mon premier tour de la journée. Parce que j'attends toujours un colis là. J'ai reçu un premier colis, c'est-à-dire le petit livre que j'avais commandé là avec toutes mes photos de New York. Un petit livre grave mimes où il y a une dizaine de pages. Mais j'ai pas encore reçu mes photos Polaroid alors que j'avais commandé dans la même commande. Donc j'ai trouvé ça super bizarre que ce soit pas encore arrivé, mais bon. Il fait chaud ici. Oula. Tête dans la boîte aux lettres, alors je vois très bien qu'il y a rien. Je vais tomber. Vlog de la semaine dernière, je crois, mon cerisier, il était tout blanc et maintenant il est devenu tout vert. Mais c'est trop triste parce qu'il est blanc genre une semaine dans l'année. Je vous annonce la bonne nouvelle, même si tout le monde ici s'en fout. Hier, mes parents ont gentiment annulé notre voyage en Turquie. Voilà. Les deux dernières semaines d'août, au lieu d'aller en Turquie, on va sûrement aller au camping. Je veux pas faire la meuf de luxe ou quoi, mais j'aime pas du tout le camping. Je vais pas me plaindre parce que j'ai la chance de pouvoir partir en vacances quand même, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partir du tout. En plus de ça, le pompon sur la Garonne, c'est que au final, je pars pas à Los Angeles au mois de juillet avec la danse comme c'était prévu, mais je pars au mois d'octobre, donc on va pas se plaindre parce que je pars quand même cette année. Enfin, on part au mois d'octobre si les frontières sont réouvertes. Après, c'est sûr que ça fait un petit peu chier d'avoir des vacances comme ça de prévu depuis un an pour Los Angeles et depuis 3-4 mois pour la Turquie, et au final que tout s'annule à cause d'un putain de virus. Le principal c'est que tout le monde aille bien et j'espère que vous allez bien aussi. Ma mère vient de me ramener deux trucs, je suis trop contente parce que ce gilet là je voulais grave lui piquer la dernière fois pour pouvoir le couper, et je crois que je vais aller décolorer un sweat et un t-shirt à la Javel cet après-midi parce que j'ai vraiment rien à faire, donc je sais même pas comment il fonctionne le four. Le temps 10, voilà. Je vais manger la babybelle, je crois, j'adore les babybelles. Regardez mes tongs, elles sont trop fraîches. Du coup, on va passer au javelage. Du coup, on a mis du javel dans une magnifique gourde avec de l'eau. J'ai pris des gants parce qu'il faut se protéger. Et ensuite, j'ai pris un t-shirt. Et après, j'ai pris un sweat rouge. J'ai pas pris de fourchette, j'ai oublié de prendre une fourchette. Et tu fais ça. Attends, comment on fait? Waouh, mais c'est magique! Tu le mets dans l'herbe, là, on va tuer tous les pissenlits. Le but, c'est que ça fasse du tie and dye. On passe à l'arrière. Ça sent la piscine municipale. Attention, résultat. Mais non, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas que je fasse comme ça, c'est moche. Bon, tu sais quoi, on va recommencer. Devant, c'est moche. Le pchipchit, il aurait été plus pratique. Vous voyez rien, mais c'est hilarant. Alors, maintenant, on passe au sweat. Oh. Attends. Mais arrête! Tu sais, il m'a pas l'air dégueu, hein. Et le t-shirt, c'est pareil, genre, c'est pas trop moche. Je vais aller les tremper dans un seau d'eau. Ah, mais il y en a pas derrière le sweat. Toute fraîche, mais ça je pense que c'est à cause du javel. Du coup, en attendant que ce qui est dehors ça sèche, je vais faire la custom de mon gilet. Je vais juste découper mon gilet en fait pour en faire une sorte de crop top comme je l'avais fait sur un gilet gris. Je pense que je vais aller sur Disney Plus, comme ça je rendrai mon abonnement un peu plus rentable. J'ai envie de re-regarder High School Musical alors que je l'ai regardé mardi dernier. Il est 17h52, je vais aller voir où en sont mon sweat et mon t-shirt, et ensuite je vais dégainer ma tenue de sport et je vais aller sporter quoi. Je sais pas si je vais dehors, si je vais dans le salon ou si je vais dans ma chambre. Mon sweat il est là, il est toujours pas sec, mais en tout cas il est de plus en plus blanc. Et le t-shirt je pense qu'il est sec, du coup je vais aller essayer, je vais voir ce que ça donne. Il est trop frais, j'adore. Tadam! Bah écoutez,
Bah je trouve que j'ai dead ça hein, franchement. C'est un t-shirt qui devait partir à la poubelle, donc c'est pour ça que je l'ai un peu recyclé. Non, je vais aller faire mon sport parce que je fais toujours le truc de Chloéting. Je pense que je vais pas vous filmer quand je fais mon sport. Mais de toute façon, la dernière vidéo qui est sur ma chaîne, c'est une vidéo complète sur le programme de sport que je suis. Donc même si je vous filme pas ici, vous ratez rien quoi. Je suis plus chaude que l'enfer. Il est trop mignon. Là il est affalé sur mes yeux, je peux plus bouger. Ça, c'était ma chanson du moment parce que je fais que l'écouter, je l'adore. Les chansons d'High School Musical en ce moment, mais je fais que les écouter. Il est 21h57, ma soirée vient seulement de commencer. Enfin non, c'est pas vrai en fait parce que j'ai regardé le premier épisode de The Resident sur TF1. Bah écoutez, c'est pas terrible hein. Du coup là, pour le reste de la soirée, je vais continuer le montage de cette vidéo. Comme ça, j'aurai le temps de finir High School Musical sur Disney+. J'ai pris mon petit viennois avec moi. Oups. But all my friends, they don't know what it's like, what it's like. They don't understand why I can't sleep.